La pianiste géorgienne Barbara Tatarats est âgée de 16 ans. Elle est une grande, non pas inconnue, mais personne particulièrement choyée ici. Elle travaille depuis 8 ans avec Michel Saunier. Elle va bientôt entrer à l'Académie Franz Liszt, la prestigieuse Académie Franz Liszt de Budapest. Donc là, évidemment, nous sommes en terre conquise, puisque nous allons entendre la 6e rhapsodie hongroise de Liszt. Alors juste pour mémoire, les rhapsodies hongroises de Liszt, c'est un corpus en fait, qui rend hommage au peuple tzigane et surtout à la fascination de Liszt qui a passé quand même pas mal de soirées, voire de nuits au coin du feu avec les tziganes en écoutant le violon et en essayant d'imaginer toutes les sonorités que l'on peut extraire, que l'on peut tirer, notamment des instruments à cordes, mais aussi du cymbalum. Il a essayé de retranscrire cette folie complète musicale tout simplement au piano en associant deux choses qui sont a priori paradoxales, la plus extrême fantaisie, le délire absolu, avec une écriture d'une précision absolument chirurgical. Et il est vrai que la méthode de Michel Saunier, et notamment, c'est pour cela que vous entendez à chaque fois des prolégomènes à une éthique musicale et puis en même temps des études, permet cette décontraction et permet en même temps de libérer les doigts et l'esprit peut-être aussi pour aller en avant et pour créer justement un univers sonore lorsqu'on aborde les pièces directement du grand répertoire. Donc là, il faut un panache absolument incroyable et en même temps une respiration permanente pour arriver à extraire tout le jus de ces variations qui sont complètement folles, complètement délirantes. Vraiment, Liszt a été fasciné par ce peuple qui répondait aussi d'une certaine façon à ses idéaux de liberté. Et puis il est vrai aussi que le peuple tzigane a quand même l'habitude de la douleur et de la souffrance. Écoutons donc Barbara Tatarats nous interpréter cette 6e rhapsodie hongroise de Liszt.